Faudrait pas que je me loupe. Non ! Je me demande comment va Dioclès. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite rediffusion de notre live de dimanche soir. Merci à tous ceux qui sont passés sur Twitch pour le voir. Je vais vous remettre la diffusion sur la chaîne YouTube et puis je vais vous la couper en trois parties histoire que ce ne soit pas trop long. Je vous laisse découvrir tout cela si vous avez loupé notre petit live sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur ma petite chaîne si vous ne voulez pas louper les prochains lives. Je vous laisse donc découvrir tout cela. Bon visionnage. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Assassin's Creed Origins. On va essayer d'avancer un peu et de finir tout ce qui nous reste à faire. Et donc pour commencer, c'est la map que je veux et non faire passer le temps. Alors on est ici, la dernière fois j'avais dit que je prendrais cette petite quête ici. Donc on va y aller, il y aurait pas mal d'autres choses à faire dans le coin. J'aurais quoi aussi là derrière? J'aurais quelque chose d'autre. Écoutez, on va essayer de finir ce qu'il y a dans le secteur et ensuite on va aller se faire le dernier DLC. Donc c'est parti, je vais prendre ma petite monture. Normalement c'est toujours Gerta. Voilà, parfait, vas-y viens. Viens donc ma mère. Je crois que j'étais allé parler à la dame. Ah non, oui. Je sais qui c'est qui nous attend. C'est un personnage qu'on avait vu au début. Je vous laisse essayer de deviner son nom. Il est balafré et c'est un... Ah, c'est un peu celui qui... C'est le Huggy les bons tuyaux de Cyrès. Et d'Apollonia. Grand Payek, par ici. Ouais, on est là. Pourquoi tant de mystère, souris? Parce que je manigance quelque chose, mon ami. À toi, cela rapportera de l'argent. Et à la souris, une nouvelle vie idyllique. Une ferme sur la côte où j'élèverai des poulets, des chèvres. Mais le propriétaire en demande une somme pharaonique, Grand Bayek. Mais Dolos, l'esprit de la ruse, t'a envoyé pour m'aider à exécuter mon plan infaillible. J'imagine qu'il y a des Romains dans ton plan. Et des contrebandiers. Alors, ne veux-tu pas partager avec moi une dernière aventure, Grand Bayek? Pourquoi pas. Ok, c'est parti. Ok, on va suivre la souris. Alors, j'ai baissé un peu le son dans les oreilles, puis ça gueulait pas mal. Nous n'en avons pas encore fini. Ouais, je te suis, vite. Ah ouais, je crois que c'est un des tout premiers persos qu'on a rencontré en début d'aventure. Et ça fait... Ouais, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on n'était pas passé par là. Donc là, on va gentiment le suivre. T'imagines pas ce qui sortait la bonne d'un Romain quand on les mouille suffisamment de... Nous allons faire de toi un pirate. Tu dois dérober le manifeste du quai aux Romains. Il nous indiquera le trajet du Corbeau Noir dans le port. Je t'attendrai de l'autre côté des quais. Ne te fais pas prendre, Grand Bayek. Ok, je suppose que ça doit être un bateau qui doit être... peut-être dans le secteur ou même là, où il y a du garde. Cet endroit est... Peut-être que les chasseurs devraient devenir des proies. C'est peut-être même le bateau qui serait peut-être là-bas. Okay. Je vais essayer d'aller me faire celui-ci aussi. Ah ouais, je peux pas sortir par là. Ça va être là. Ok, je sais même pas pourquoi il s'est mis à gueuler. Alors qu'il pouvait pas me voir, m'identifier ou quoi, qu'est-ce. Je vais essayer de passer. Ah, je peux peut-être libérer des fauves, tiens. Stante, voilà. Par contre, il y a un garde. Ultime encore, Tentacet. Ah, il est pas mort.
chier. Ok, ça commence mal. Ok, là-bas c'est du bestiau. On a mis la zizanie avec tout ça. Il s'est pas endormi. Ah, je peux peut-être essayer de l'endormir lui. C'est pas le bestiau que je vais endormir. T'es sérieux maintenant? Que je joue. Ok. Il y a encore du people là-bas. Là, je vais aller voir ma petite dépouille après, bien sûr. Mais je sais pas s'il y a des trucs à choper dans le coin. Donc autant que j'ai eu toute la zone. Je sais pas s'il y aura encore du cas, mais en coin, ça perd des trucs. On a libéré deux compos. Ah, c'est des animaux. Ah, on a fait le bordel. Ils sont tous en train de se bouffer entre eux. Ah, tiens, là, ça va. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai des loupiottes qui s'allument dans tous les sens. Ah, par contre, je peux pas encore mettre les pieds à terre là parce que. Ça fera un peu de boulot, ça peut peut-être les aider. On va les aider aussi par là. Là. On va les encercler. Non, c'est bon, j'ai pas besoin de cramer le bateau à côté. Il est mieux de fuir. Là, je vais cramer déjà les bestiaux qui sont dedans. Ah, parfait. Ils sont toujours pas morts. Si je mets les têtes dedans, ça va pas le faire. Non, il y a un des habitants qui sont tapés. Ah, je peux pas les laisser quand même. Ah, merci bien. Allez, meurs. Oui, tape-moi ce que tu veux. Il va pas tuer les petits villageois là. Mais t'es sérieuse la bête là? Ah, loupé. Ah ouais, quand même. Merci bien. Ok, bah j'ai plus qu'à me baisser à ramasser les pots. Ah, nickel. Si je peux améliorer un peu mon stuff avant de partir. Ah, par contre, ils ont bugué là. Ils sont pas sérieux d'aller dans la caisse. Dans la cage. Ok, c'est parti. Alors, si on se dépêche et qu'on va assez vite, je passerai peut-être sur Cyberpunk après. Donc nous, en attendant, ah, il y aura encore notre bestiau là. Ah, t'as pas des flèches pour moi dans le coin. Sur le bateau, il y en a pas non plus là. Ah, c'est un peu embêtant. Par là. Ah, il est en train de dormir.
Okay, je vais essayer de saigner avant qu'il voilà. Avant qu'il se secoue. Donc toi, je confirme ta mort. Voilà. Magnifique. Le corbeau noir. Et des notes du Romain responsable des quais. Ok, manifeste des quais d'Apollonia. Navire marchand Argos arrivant au quai d'Apollonia depuis Alexandrie. Vin, huile, miel, peau d'animaux et outils. La cale doit contenir des 10 000 amphores. Remarque du capitaine des quais. Lorsque Kleptos et moi sommes montés à bord, j'ai entendu le capitaine murmurer Corvum Nigrum. L'Argos est le navire des contrebandiers. Je le sens dans mes os. Et pour arriver ici, il a longé la côte des épaves. Ok, mon syringe, je l'empoisonne. Il y aura encore autre chose à prendre. Lions et les animaux sauvages sont des cargaisons exotiques coûteuses. Ça explique le nombre de gardes. Ouais. Ok, bon, je vais peut-être pas réinteragir avec. Morias Paraskevas Madadudanes. Je parte pas les mains vite quand même. Ok, en plus c'est du graphite, donc ouais effectivement vaut mieux que je scanne la zone au cas où. Ok, là il y aurait rien, ça rien que j'ai plus loin. Donc on va rejoindre la souris. Il y aurait peut-être un truc dans l'eau là-bas. À part un corps. Ah, merci bien. J'ai évité de trop patauger dans l'eau. Allez, c'est parti. On fonce, Alphonse. Ah, si vous avez loupé certains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour voir le petit let's play. Et les autres jeux qu'on a découvert récemment. Grand Bayek, tu reviens sain et sauf. Selon le manifeste, le navire est arrivé d'Alexandrie à la première heure. Alors, ils ont dû jeter leurs importations illicites du côté de l'épave à l'est d'Apollonia. Attends, d'après le manifeste, les Romains ont déchiffré le code. Ils la chercheront eux aussi. J'ai réussi à faire de toi un pirate, Grand Bayek. Un impitoyable flibustier des mers. Je dois avouer que c'est une de tes manigances les plus excitantes, souris. Ça fait du bien de t'entendre rire, mon ami. Je dois rejoindre cet homme dans les ruines sur la côte. Retrouve-moi là avec ton butin. Bientôt, la souris vivra sur cette terre souriante. Ok, c'est parti. Ah, butin récupéré. Le butin a été jeté. Près de l'épave, de l'exposition triomphe. Des petits bronzes plutôt, et pas de tribun. J'ai peut-être pas coupé par la grande porte, si, non. Jamais on me voit ici. Déjà je fais ça. Je pense pas que le gros bestiau va rentrer à l'intérieur où je me trouve. Ça va semer un peu la zizanie. Moi je vais monter ici. Ok, il n'y a plus rien à prendre, il y aurait des trucs au-dessus. Je vais peut-être monter par là encore. Ah, je suis en rate de flèche, je vais en reprendre. Ok, alors là déjà il n'y a pas de garde. Voilà. Ok, mission infiltration. Donc là, il y a du garde juste en dessous. Ok, on va faire gaffe où on met les pieds. Faudrait que je vois où est-ce qu'il y a le... Où est-ce qu'il y a le bras zéro. Je sais pas si ça va finir par cramer. Je vais repasser par le bras zéro, il est juste là. Ok, je vais aller le piger au cas où ça tourne mal.
spécial. Ok, je peux pas en prendre plus. Je suis pas sûr de pouvoir casser ça. De toute façon ça va s'éteindre, ouais. Donc je peux pas casser la trappe. Là, il n'y a personne qui est en train de s'entraîner. Il serait en pleine mer. Je me prends la tête et j'y crois comme objectif à faire ici. Tuer le capitaine. Je peux peut-être faire ça avant de partir. Il serait là. Ah, bouge pas le capitaine. Ah, je t'ai vu, Mano. Je sais pas si en passant mes flèches dans le feu là ça cramerait derrière. Voilà. Je sais pas si tout le bateau va cramer, ce serait pas mal. Ok, donc ça c'est fait. Et maintenant il va falloir que je me casse en bateau. Je vais commencer par faire ça. Voilà. M'infiltrer par là. Allez, dis-moi. Je suis pas genre t'en prendre une. Ouais, comme ça j'aurai un bateau après. Ouais, ils ont peur de trop se dormir là. Ah, l'autre il saute. Énorme. Je vais aller voir les petits corps de notre confrère qui est mort dans l'eau. Non, genre je peux pas. Je suis confus, mais tu vas mourir. Ah, merci bien. Oh, qu'est-ce que c'est? Pardon, monsieur. Je vais plonger les gens. Vous m'avez pas vu. Vous êtes sérieux, les jeunes? Oh, t'es sérieux? Te laisse pas là. On va faire ça comme ça, ça ira plus vite. Oh, ils sont en train de se barrer. Je sais pas s'il faut que je monte dedans. Je vais checker quand même. Attendez, Jen, oh, t'es sérieux toi? Non, mais t'as le contrer, t'es sérieux maintenant? Ego stand am tibi dolor, allez, allez. Oh, on est qui? Ah, t'es sérieux? Genre tu tournes au dernier moment. Ah, j'ai vu que c'est là. Tiens, vas-y, trimpe. Ah, retourne dans le feu. Ah,
C'est tout. Vas-y, saute, plouf dans l'eau même. Ok, donc j'ai rien à faire sur ce bateau. Je vais en choper un des deux petits là. Et puis on va essayer de retrouver. Ah, c'est sûr, faut que j'aille dans l'eau. Putain, faut que je plonge dans l'eau. Vu qu'il fallait que je vienne chercher des sacs, je les prends. Ah, il y avait un truc genre. Oh putain, je vais pas le tenter, dégage-le. Ah, merci bien. Alors, je veux juste genre diriger. C'est possible ou pas? Merci. Donc, normalement, il y a eu un truc par à 150 mètres et quelques. Donc, c'est pas possible. Ah, ça se trouve, ils sont en train de chercher. Ah, je vais me poser par là. On va les pousser dans le monde. Là-bas. Ok, je vais aller bouffer dans l'eau, moi. Je vais essayer à se prendre le chou au-dessus. Là, il y aurait une épave. Il y a un mât. On va aller voir. Il y a peut-être un morceau du butin à aller récupérer. Il n'y a pas parfait. Voilà. Qu'est-ce que je lui disais. Ah, j'ai plus qu'à essayer de choper les autres. Je sais pas si genre, j'aurais fouillé les... Attendez, ça se trouve, je suis déjà venu fouiller cette épave. Ok, ce qui est quand même assez énorme. Mais pour les besoins de la quête, fallait repasser là. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il me semblait qu'avec 3 points, là j'en ai 4. Le trésor sera plus bénéfique à la souris qu'à ses contrebandiers. Ok. On va repasser par là. Les gardes là vont toute la paix. Non mais refais pas un truc bon, sérieux. Allez, vas-y monte. Appelle Gerta. Et fonce. Allez, vas-y, on va le taper à. Non s'il te plaît, bouge pas trop. Non mais c'est une fucking blague. Je passe 3 fois à côté, il se passe rien. Bon oh, enfin. Ah merci bien. Ok, nous la souris. Elle est par là. Et je crois qu'en plus j'ai affaire après dans le coin, donc c'est pas plus mal. Rien. Tiens. On a ficelé comme un vulgaire cochon. Ah, je sais pas où je suis là. J'ai la cible en vue. Allez, ouais, maudit métropolitesse. Attendez, les gemmes. Ils sont sérieux quoi. Allez, on peut pas les faire. Il va y avoir des ennuis. Mon ami est là. Je vais t'étriffer pour ça. Vas-y, arme de G. J'ai la cible en vue. Ça c'est fait. Toi. Ah, comme ça c'est fait. C'est bon, il y en a d'autres là. Il y en a d'autres qui veulent jouer. Non mais ils sont sérieux ou quoi? Ah, je vais checker les environs quand même, on sait jamais. A priori ça a l'air d'être assez calme. Donc on peut aller libérer notre petite souris. Ouais, libérer. Oh, ça y est, le monde! Le monde est peuplé de menteurs. Où vas-tu aller maintenant? Cette ville a été une maîtresse cruelle, grand Bayek. Il est temps pour moi de la quitter. Elle va te manquer? Les coups de pied gratuits des Romains dans les rues? Les gens qui se permettaient en toute impunité de me cracher à la face? Non. Tu devrais utiliser ce butin pour acheter la ferme de tes rêves, souris. Oui, tout à fait. Faire du vin de mes vignes et du fromage du lait de mes chèvres. Et un jour, nous boirons une coupe à notre amitié. Oui, ce sera une belle journée.
Tiens, ta récompense. Je te remercie du fond du cœur, ami Bayek. Le cœur d'un homme, c'est son dieu. Au revoir, Smintos. Ah ouais, il était bien esquinté du visage quand même, celui-là. Bon. C'est fait, ok, j'ai récupéré une petite arme magnifique. Bah, genre un truc qui allait choper dans l'eau, juste là. J'ai compris, demi-tour et pouf pouf. Ce serait par ici, tout droit. Et puis après, on va regagner la terre ferme pour aller voir ce qu'il y a un peu dans le coin. Allez, pouf. Ok, ça clignote par là. C'est peut-être ici, au pied de... au pied du cheval, j'allais dire de la licorne, mais bon. C'était pour une licorne. Comme ça, c'est vrai. Ah, tu peux remonter, Bayek, s'il te plaît, merci bien, cher. Ah, merci. Vas-y, avance, dépêche-toi, chef. Alors, en attendant, nous, on va zioter la map. Alors, je sais pas du tout s'il va se mettre à bouger ses fesses ou non. J'aurai un truc à aller voir au bord de la... au bord de la côte avant de remonter. Alors là, le papyrus trouvé à proximité, c'est fait. Mais j'ai un autre truc derrière. Faudrait qu'on se rende là-bas. Et là, faudrait que j'aille tout droit. Pour me faire... ouais, des... bah, faudrait que je remonte. Hein. Je vais essayer de suivre le chemin et de remonter. Par contre, si tu ne bouges pas, monsieur, j'y vais prendre ma place. Les dieux aiment les âmes généreuses. Ok. Donc, demi-tour. Ok, c'est parti. T'es un peu long, maintenant. Je peux pas attendre 3 pompes que tu bouges les fesses. Donc, on va suivre les points au-dessus, sur une petite boussole. Je sais pas à combien de distance, ouais, on va aller voir plus loin d'abord. Alors, de toute façon, le live sera rediffusé. Je le mettrai demain matin, sûrement en ligne sur YouTube. Pour ceux qui l'auraient loupé. Donc là, désolé pour ton bateau. Vas-y, Bayek, saute, s'il te plaît. Ah, ok. Donc, serait-on arrivé? Oui, ce serait juste en face. Il y aurait un petit truc à aller faire. J'ai cru qu'il y avait un petit croco dans le coin, un truc du genre, mais en fait, non. Donc, bah écoutez, on va foncer par là. Ah, j'espère que c'est bien la bonne direction, parce que ça me paraît un peu loin, là. Non, mais j'ai un truc qui est juste là, à choper. Ils sont sérieux ou quoi? Ouais, trésor à couper, là. Ah bah, j'ai peut-être trouvé. Je vais m'occuper de lui en premier. Voilà. Attends, c'est fait. Ah, juste à portée. Allez, merci. On n'en parle plus. Vas-y, Bayek, essuie-toi un peu le visage là, ça fait un peu crade. Et tiens, on va prendre tout ça. Ah, je vais pas m'amuser à empoisonner, c'est une perte de temps. Donc, ceci étant fait, maintenant, cette fois, c'est la bonne. Je vais mettre un point là, ça ira plus vite. On peut courir là-bas. Ah, il y aura une quête un peu plus loin, mais bon, tant pis. Ah, je vais peut-être appeler à. Si Gartal pourrait passer ici, peut-être l'appeler une fois que je serai monté en haut, ce sera peut-être plus simple. Allez, viens, ma Gartha. Regardez, on va faire comme dans Assassin's Creed Odyssey. Vas-y, marche, marche avec ta petite main là. Regardez-moi ça, on caresse les fleurs. Voilà. Allez, c'est parti. Viens, Gartha. On a arrêté, on a fini de faire les andouilles. Allez, viens, 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 Gartha, me fais pas tourner en rond, merci. Ok, faut monter en haut, il y aura un point de synchronisation. Le trésor, je sais pas où il est passé, mais bon, il est à 200 mètres, ok. Ok, il serait juste au-dessus. On va aller synchroniser sur le...
sur la coupole. Moyen d'enjamber là, s'il vous plaît. Merci. Que je puisse monter maintenant. Ok, il faut que je fouille et récupère un trésor. Ah, c'est bien beau. C'est bien beau. Ok, donc maintenant il me reste plus qu'à trouver le trésor. C'est peut-être vers la maison au-dessus. On va descendre par ici. Ouais, ça a l'air d'être gardé par des romans. Donc il y a de fortes chances que le trésor soit planqué dedans. Ce serait bien d'être prudent par ici. Pas mort avec le flip. J'ai hâte d'essayer Assassin's Creed. Voilà, pour pouvoir couper, assassiner, démembrer tout ce petit monde. Merci, chef. On va faire ça comme ça. Arme de G. Voilà, et d'abord, vos consommations. Si on aurait d'autres dans le coin. Non, c'est bon, on a calmé tout le monde. Ah, merci bien. Voilà. C'est pas mort. Ah, je pensais qu'il était mouru, moi. Bon, il est où mon trésor là? Ah, sérieux, j'ai pas fouillé toutes les pièces non plus pour. Ah, là-bas, il y aura un truc. Bah, je sais pas si. Ah, pardon. Ok, mais ça se trouve, c'est un petit sac à la bourse dans des types que j'ai tués. Ah, faut que je chope un trésor. Ah, est-ce qu'il est à l'intérieur ou dehors? Voilà, il y a de la téléportation de PNJ là. Vas-y, F. Non, sérieux, ils me l'ont pas proposé. Ah, je vais faire ça avant qu'il se passe un truc. Ok, on va aller voir par ici. Là, il n'y a rien. Je vais faire un tour dans les maisons. Là, j'ai peut-être pas tout cramé, il y a du monde à l'intérieur. Ok, donc là, il n'y a rien. Je vais aller voir l'autre. Parce qu'on est d'accord qu'il n'y a rien à prendre. Sur les balcons non plus. Si c'est pas dans cette maison là, c'est dans celle d'en face. Mais bon. Alors, je crois que c'est la première que j'ai faite. Il y a la petite musique là. Est-ce que ce serait pas au-dessus?
Là. Prends-le le coffre, Bayek, t'es sérieux ou quoi là? Attends, déjà que tu montes dessus, alors si on prend pas. Ok, on est bon. Donc tout ça c'est fait. Je pourrais soit. Il y a encore trop de points d'interrogation, ça me saoule quoi, avec leur bled à la noix là, c'est juste pour choper du trésor. Je ferai ça plus tard. Les quêtes. J'ai dit que je j'irai au moins là. Donc j'y vais passer là. Et puis ensuite on va foncer en face. Et donc ce serait. Sérieux, il est encore bien. Ouais, merci. Ok. Alors, je vais sortir d'ici. Et je vais foncer de l'autre côté. Allez, c'est parti, Gertha, viens par là. Allez, Gertha. Allez, ma belle. Allez, on est parti. Alors, ce que vous avez déjà essayé Assassin's Creed Origins, du moins si vous l'avez essayé, est-ce que vous y avez joué, est-ce que vous l'avez fini? Est-ce que la dernière extension qui nous reste à faire est bien? Est-ce que vous avez attaqué Valhalla? Ou alors ça vous a pas du tout intéressé de vous taper ce volet qui avait l'air d'être bien bugué. Ok, il faut que j'y parle à ce type. Hé, hey, l'Égyptien, viens voir. Ouais, je suis là. Ce ne sont pas les pires carnes que tu aies jamais vues. Manon, attends, je me dépêche. Il paraît que les chevaux de Cyrénaïque sont les meilleurs du monde. C'est vrai. Enfin, je fasse une course. C'est pour ça que ce maudit intendant romain m'a pris ma plus belle monture, Hermès. Hermès n'était pas seulement le plus rapide, c'était aussi le meilleur étalon. Il manque aux juments. Je vais aller le chercher, il va me l'offrir, c'est ça? Je peux te payer. Tu veux que j'aille sauver un cheval? Je l'aime comme un frère. En fait, mon frère est pire qu'un âne, alors j'aime ce cheval plus qu'un frère. L'ivrogne d'intendant qui me l'a volé doit déjà être au Pandokeion d'Arkil à l'heure qu'il est. C'est sur la route d'Alexandrie. Peux-tu trouver Hermès et me le ramener à la maison? Mais oui, bien sûr. Ah, ok, 500 mètres. C'est parti. Je peux vous emprunter un cheval pour y aller? Merci. Ce qui est marrant, c'est que je prends un cheval que je vais laisser sur place. On va aller chercher un cheval. Non, on dira rien. Ok, ça a l'air d'être dans une forteresse encore là. J'espère que je les ai déjà tous tués, comme ça je suis tranquille, je prends le cheval et je m'en vais. Ah, j'espère que c'était la maison où on était il y a 2 secondes. Ah, franchement, ce serait nickel. C'est ça, nouveau lieu. Désolé pour la barrière, les jeunes. Ok, c'est un cheval ici ou non? Ok. Je parie que c'est ce voleur d'intendant. Il y a des deux gardes là. On y va quoi avec la force brutale? La recherche d'Hermès continue. Mais barre-toi, le villageois là. Je pensais que j'allais assassiner le garde, moi, pas que j'allais tomber sur le type qui était en train de. Je croyais qu'il était prisonnier ou je sais pas quoi. Vas-y, R, empoisonné. Ok. Il y aura un trésor à piller dans le coin. J'ai envie de dire tant mieux. C'est peut-être dans cette maison, non? Excusez-moi de rentrer comme ça à l'improviste. Hein. Je me permets. Je suis pas chez moi, mais je me permets. Ou peut-être plus dans la baraque. Putain, faut que je cours à l'autre bout maintenant encore. Hein, sérieux, il est où ton cheval là? Il est parti en vacances à Ushnok ou quoi? Ok. Je vais devoir être prudent. Ah ouais. Oh, maintenant.
On ne tue pas les poules et les cochons, s'il vous plaît. Ah ouais, t'es sérieux, tu veux me faire mal, les jeunes. Enfin, à l'intérieur. Ouais, c'est ça, il est à l'intérieur. Attendez, j'en ai vu un troisième qui était par là. Excusez-moi, je me sers. C'est calme, ouais. Vas-y, arme de G. Ah, merci bien. Ouais, les poules, merci de venir faire la fête avec moi. Ça, je le récupère. Il y avait un autre truc à récupérer ici aussi. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres machins? Non. Ah, ok, donc le Praefectus Equite utilise Hermès pour son trajet quotidien au bord, aux abords du fort. Le fan meurt. Ok, il y en aura un autre là. Ok, merci. Là, je vais descendre là-bas maintenant. Ah ouais, elle l'a volé. Comme ça c'est réglé. Je sais pas ce que vous visez là. Je sais pas si vous étiez des gentils ou pas. J'ai pu vous tuer, je me sers. Bah merci bien, ça faisait peut-être partie du trésor ça aussi. Je peux prendre un autre truc ou pas là? Ok, non, ça a l'air d'être tout. Ok, Gerta, on a besoin de toi. Donc effectivement, faut bien que j'aille dans le fort là-bas. Je vous avoue que je suis pas très heureux, mais bon. On va le faire, hein. Il faut bien. Allez, c'est parti. Je sais pas si c'est à l'extérieur, au niveau du rocher, là. Ou si c'est dans le fort. Je vais monter là pour voir. Ok, bon, bah déjà faut le rendre dans le fort. À moins que. Ouais, non. Je veux dire, à moins qu'il soit là dans le coin, mais en fait, pas du tout. Ah, ok, j'ai le seul point d'accès que j'ai. Ah, putain, la botte de paille a été trop loin. Mieux vaut ne pas attirer l'attention ici. Ouais, parce qu'en plus, là, c'est plutôt grand. Donc ça m'a l'air plutôt bien gardé. On va faire gaffe. Faudrait que je trouve le bras zéro direct. Qui est forcément à l'autre bout. Ok, je peux tenter de passer par là et de faire le tour pour y aller. Ok, tu bouges bizarrement, Bayou. Mais genre... T'es sérieux maintenant? Et d'abord, vous êtes une con! Merci, jeune. Bah, je vais utiliser les balistes, hein, si c'est ça, moi. Ah ouais, putain, en plus, j'ai pas fini, quoi. Ah, j'ai pas fini. Vas-y, monte là-haut, Bayek. Non, fais pas le tour, monte. Le truc, il était à 206 mètres, je suis allé trop loin, quoi. Ils se foutent de moi. Je piche pas leur truc là. Vas-y, passe là, Bayek. Allez, personne m'a vu. Il y aurait du monde à libérer là. On va se dépêcher. Et là, faut que j'arrive à sauter au-dessus. Vas-y, tourne. Voilà, merci bien. Merci, Bayek, t'es un chef. Ah, surtout quand tu fais du tout. Au secours. Ouais, j'arrive. Oh, gloire, un protecteur de l'Égypte. Je t'en prie, nous sommes en grand danger. Ah ouais, d'accord. Coupez-lui la route. Ah merde, t'es sérieux, Mano? Attends, je suis en train de... Ouais, je m'en fous pour le cerveau. Je pourrais te battre, mais les yeux fermés. Ouais, bah ouais. Je sais pas si c'est du renfort qui se pointe, là.
chien. Tu ne t'échapperas pas. Te voilà. Hé, hey, sur lui. Je vais te tuer. Comment on attaque flamboyante. Allez, attaque flamboyante. Allez, flamboie-moi tout ça là. Tu vas crever. Allez, ouais. Oh, putain, je vois rien là avec la caméra, merci bien. Allez. Prends ça, charogne. Ultime encore. Allez. Allez, allez, Bayek, là. Décale-toi sur le côté. Attends, j'en ai un autre qui s'envole là. Tu vas crever. Si. Il tatane encore, il tatane. Oh, ils sont beaucoup là. Ok. Non, je peux pas te libérer encore. Vous, je peux peut-être le faire, mais j'ai peur que. Qu'il se fasse tuer derrière. Ok, toi, faut que je te ramène. Portez le prisonnier hors du fort romain. Je vois pas par où je vais pouvoir te rattraper. En plus, je vais être bloqué là. Attends, je suis obligé de te poser. Ah merde, il s'est fait buter. Ah, t'es sérieux, Manon? Qui es-tu? Je suis un ancien comme toi, Séné. Et pour le bien de l'Égypte, nous devons fuir. Ah, vas-y, pourquoi les Romains t'ont-ils arrêté? À cause de ce que je sais. Et on en parlera ailleurs. Ouais, si on arrive à descendre, peut-être par là. Et puis en plus, ça peut que tuer les agresseurs. Ok. Alors, je sais pas si c'était la cible de notre confrère qu'on a trouvé dans l'eau là, mais je sais pas pourquoi il me fout ça maintenant. Je sais pas si j'ai des morts à confirmer ou pas au caisse. Par contre, toi. C'est tendu quoi. Ah là, il y a un garde, j'ai peut-être passé par ici. Ah, je sais pas où tu veux que je te ramène. Ah, portez le prisonnier machin. Ok, parler au prisonnier. Bah ouais, mais bon. J'ai un garde derrière moi, je vais me poser en face. On va se planquer. Je vais le mettre à l'ombre. Histoire qu'on soit sur une petite insolation. Ah, il y a peut-être du pin. Non, là, on va peut-être avoir chaud avec les bras zéro là. Je vais te mettre à l'ombre de l'arbre là. Tiens, là on sera bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air top. Ok, alors tout d'un coup tu peux marcher. Je suis l'un des meilleurs espions d'Apollodorus. Tellement que tu t'es fait capturer. Je participe à ces petites manipulations divines. Nous avons été trahis. Quelqu'un a dénoncé nos agents en Cyrénaïque. C'est comme ça que le centurion m'a trouvé. Il a une liste de noms. Elle ne doit pas rester entre ses mains. Et il patrouille les tours frontalières. Trouve ce chien, découvre ce qu'il sait et qui on peut encore sauver. Pour l'Égypte. Pour une Égypte libre. Puissent nos victoires se multiplier. Ok, chef, mais d'abord faut que j'aille voir mon cheval là. Je ferai ça après. Le pire, c'est que j'ai même pas fini de vider le camp. Et puis ça grouille de gardes de partout. Je vais me rendre au point là, et puis je vais appeler Senou pour qu'il localise la cible. Ou du moins le cheval là, parce que. Ah, c'est pas possible. Ok. Ah, quoi, il est en mouvement, c'est pour ça que plus tard je le trouve pas. Ouais, c'est tendu. Allez, viens, viens pas là. Oui, Hermès. Ah, ça s'est réglé. Oui, Hermès. Tu es un bon cheval. Qu'est-ce que tu as de si particulier, Hermès? L'autre, je l'ai blessé. Entendre ton maître. Je m'attendais presque à te voir voler. Ah, je vais canner la jambe, votre cheval, je suis désolé. Ah, c'est ça, Hermès.
Tu es plus puissant que les chevaux que j'ai eu l'occasion de monter. Tu me plais, toi. Bah, d'accord, ok. Par contre, c'est un abruti. Il est pas foutu de sauter une barrière. Il y a moyen d'appeler ma petite Gerta, là. N'importe quoi, je peux pas appeler Gerta, quoi. C'est pas possible. Je veux qu'elle me suive, comme sur Red Dead Redemption 2, quand il y a Tiffany qui suit gentiment Arthur Morgan. Ah, par contre, je retourne pas au fort après. Alors, ça fait trop long, là. Je veux aller découvrir à la fin. Ah, je veux, ouais, connaître le sort de Bayek, de ses ancêtres, de tout. Parce qu'après avoir combattu pendant des années, il prend sa retraite, est-ce qu'il retrouve sa femme? Mais non, je vais te tuer. Ah, ils sont sérieux ou quoi? Ah, ils sont cramés tout seuls. Inutile, pas de lui. Ils sont pas là quoi. Allez les gemmes. Ah, je sais pas s'il y a des gentils avec moi ou pas là. Je crois qu'ils sont en train de se faire. Entre eux. Ah, ils sont en train de se taper. Ils sont en train de se taper. Qu'est-ce que c'est ce délire? Je vais te tuer! Ah ouais, bah ouais, c'est bien. Ok, là il y aurait du sac. L'autre, je sais pas s'il est en train de me chercher, mais bouge pas, j'arrive. Et d'abord, vous êtes une consommation! Stop, pas Bayek là. Ok, vas-y, c'est parti. Moi, faut que j'y aille là-bas. Non. Désolé, messieurs, dames. Voilà, c'est bien, là, tu sautes correctement. Et voilà, mon grand. Je retrouve ton maître. Hermès, ah, sauf que je suis en train de parler au maître, déjà. Ce soir, tu auras le meilleur fourrage et la plus belle jument, mon vieil ami. L'intendant l'avait donné au centurion du fort de l'Est. Il ne viendra pas te le reprendre. Ces soldats, ils nous dépossèdent de tout. Ah, tu vas nous donner une belle lignée de champions, pas vrai, mon grand? Carrément. Voilà pour toi, bien, mon ami. En récompense de tes efforts. Combien? Ok, 4000 d'XP. Et j'ai récupéré une petite monture. Ok. Ok. Comment t'appelles-tu, ma chère petite monture? Équipement? Aptitude? Non, bah. De quoi, je peux améliorer mon œil ou... Bah non, il s'est amélioré tout seul, là. Je sais pas d'ailleurs si je pourrais synchroniser. Alors, j'aurais 7 points à prendre. Adrénaline passive, votre jauge d'adrénaline est entièrement remplie au début de chaque affrontement. Ah, je vous avouerai que ça pourrait être sympa. Passif, fouille automatiquement d'un ennemi après sa mort au corps à corps, ouais. Permet d'infliger une attaque au corps à corps supplémentaire à un ennemi avant qu'il puisse récupérer. Ah, tu veux bien ne pas ramer, s'il te plaît, le jeu? Ah, ne plante pas, surtout aussi, ce serait sympa, là. Je t'en demande trop, je suis en train de lire. Maintenant, après une attaque légère, pour effectuer un combo d'attaque de poussée. Ça, ce serait pas mal aussi. Non, mais arrête de ramer le jeu, s'il te plaît. Fais un effort. Laisse-moi visiter le petit arc de compétences. Augmentation du nombre de flèches tirées avant d'avoir à recharger. Arc léger. Ouais, je suis pas trop arc léger, moi. J'en ai un en ce moment, c'est vrai. Mais c'est pas trop mon kiff. Je préfère l'arc de Predator et après l'autre, ouais, un peu m'importe. Pas le multi qui serait là d'ailleurs, si on me le permet. Je vais arrêter de regarder ça là parce que ça lag, je comprends pas pourquoi ça rame. Ça demande trop de ressources de regarder un arbre de compétences maintenant, alors on charge.
Ah bon, pour que ça se disperse moins, c'est ça. Je vois pas trop l'intérêt de tirer 10 flèches sur un seul et même type d'un coup, mais bon. Et c'est sur quoi? Ouais, l'arc de guerrier multiflèche, je suis pas trop. Fureur de l'arc. Après avoir effectué un meurtre discret à l'arc, vous disposez d'une fenêtre de 3 secondes de ralenti en visant encore avec l'arc. Ouais, c'est... Faut être sûr de pouvoir. Maître chasseur passif, augmentation des dégâts de tous vos arcs de 1%. Ouais, je vais faire ça surtout en premier. Je me prendrais bien une petite attaque surpuissante, hein. Fléchette en posée, machin, neutraliser un ennemi et contaminer ses compagnons. Là, je vous avoue que je m'en suis pas énormément servi de mes fléchettes empoisonnées, mais c'est vrai que de loin, s'ils sont en groupe, là, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Il faudrait que j'arrive à porter plus de stuff sur moi, là. Je crois que c'est ça. Dans l'au-delà, vous récupérez des flèches et des outils au fil du temps. Ok. Permet d'acheter des chars de guerre dans les écuries. Ben ça, je me le prendrai en dernier. J'aimerais bien voir ce qu'on me propose là-haut. Passif, augmentation des dégâts liés au feu. Ouais, j'ai pas mal d'arcs. Je sais pas si c'est juste pour les arcs. Ouais, non, ça se trouve, c'est pour tout. Hein. Là, ils mettent un arc, mais je peux peut-être avoir des lames de feu. Mais là, c'est quoi? À l'issue d'une attaque de surpuissance, il est possible d'enchaîner un combo d'attaque légère. Je pourrais l'acquérir aussi, ce serait top. Comme ça, ça éviterait qu'il se relève et qu'il reprenne un combat. Permet d'évacuer des conducteurs ennemis. Ok, j'y vais attendre parce que je me tâte. Je sais pas encore laquelle prendre. Par contre, l'équipement, parce qu'à la base, on était parti voir les montures. Donc, laquelle j'ai récupéré? Brume de l'aube, cet étalon. Vient des montagnes, on dit qu'au matin de sa naissance, une brume venue de nulle part a entouré l'écurie, mais je n'en crois rien. Ok. Ok, bah non, on est toujours avec... avec notre petite Gyarta qui est ici. Ah, je pourrais peut-être reprendre Apophis un petit peu. Donc, tout a commencé avec lui. Bon, il y avait aussi Lucius et Crow. Mais je vais prendre un petit peu notre cher ami, là. D'ailleurs, je pourrais acheter des montures. Voyons voir ce qu'il a. Un besoin précis, mon ami. Acheter. Ah, c'est pas très joli. Ouais, bon, pas top le truc légendaire. Puis 5000. Ouais, je me tâte. Puis ça apporte rien de plus en fait. Au revoir. C'est du légendaire cosmétique pour rien. Bref. Nous, on est reparti. Ah, je peux peut-être tester les fléchettes empoisonnées, tiens. Non, c'est pas cette touche-là qu'il fallait faire. Forcément. Ah, c'est pas grave, on va voyager de nuit. J'en avais envie. Ah ouais, sauf que là, j'ai les fléchettes. Ah, je sais pas ce qui leur arrive, mais c'est pas moi, là. Elle est trop marrant. Attends, je veux pas taper ton cheval si tu veux pas bouger, c'est ce que ça va. Qui c'est qui me tire dessus encore là? Je sais pas qui c'est qui me tire dessus. Surtout que je vais aller ici. Équipement. Voilà. Et donc là, je veux changer. Je vais prendre mes petites fléchettes empoisonnées. Surtout que je peux en porter plus que le reste. Fléchette soporifique et là empoisonné, nickel. On va tester cette petite compétence. Par contre, ce qui est bien, c'est que là je pars à l'aventure. Je ne sais pas où je vais, mais là j'aurai un truc à prendre. Donc, vu qu'on est à côté, on va essayer de rester dans le secteur. Et puis après, je sais que vous attendez avec impatience le fait qu'on aille se découvrir le DLC, mais on va y aller, ne vous inquiétez pas. Là, je vais prendre ça. Oh ouais, c'est à bourrer de saloperies. Ah, merci bien.
merci. Merci tout le monde. Ok, là il y aura encore des petites choses à prendre, c'est pareil. Ce qui est embêtant, c'est que là j'ai plus mes flèches à... j'ai plus mes petites flèches, enfin mes bombes incendiaires. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les forêts là? Ok, il y avait un autre truc à prendre dans le temps. Voilà, là, merci bien. Je pense que là c'est tout. Non, il y aura un autre truc ici. Et maintenant. Ok, on est bon. On est bon. Alors, on vient par là. C'est vrai que j'ai rappelé mon autre dada, mais en fait, je m'en sers même pas encore. Faut qu'on se téléporte par ici. Hein. Comment va-t-il réfléchir. Ok, donc là c'est bon, cette fois je suis sur place. A chaque fois, ce gardien est toujours là. Désolé de vous interrompre pendant que vous avez la conversation. Il y a un autre garde qui se pointe là. T'es sérieux? Putain, je viens de tuer, mais... C'est pas la petite dame que je visais, c'est le monsieur. La bonne blague. Quand elle se met dans la trajectoire, elle meurt. T'es sérieux, Bayek? Ok, 70 mètres. Et surtout là-bas. On va checker. J'en aurai un juste ici, Pax. Je vais prendre la quête, mais pas forcément la faire maintenant. Et puis on va aller de l'autre côté. Je ne suis pas un acteur, Simonides. Et je ne suis pas dramaturge, mais... Ah, mais on voit tous les persos qu'on avait vus au début, quoi. Mais si on l'avait aidé. Bayek, mon ami, nous parlions justement de toi. Non, c'est pour montrer que je vais m'inquiéter à la fin, c'est ça. Non, je revois tous Simonides les gens une dernière veut que fois, je joue mon rôle dans une comédie qu'il a écrite sur Léandre. Le louable triomphe des sommités de Sirène. Très joli titre. Il est lucide sur la qualité de son œuvre. Mais nous pensons qu'organiser une fête fera du bien à tous. Et pour ça, j'ai un dernier service à te demander. Pas de jouer dedans, j'espère. La villa de Léandre devrait être remise à la ville. Mais sans titre de propriété, c'est impossible. Or, les Romains nous refusent l'accès au bureau de Léandre à l'Acropole. Ils me laisseront entrer. Je te le trouverai. Ok, c'est parti. J'ai pas dit que je ferais ça maintenant, donc nous on va monter là-haut. Vas-y, monte, Bayek, fais un effort. Ok, temple de Zeus. Allez, Bayek. Allez, saute sur la statue en face. Ah, ce sera encore plus loin. Ah, tu t'es pas cassé les jambes, ça fait plaisir. Ok. Alors, je sais pas si c'est un papyrus qu'il va falloir trouver ici ou quoi. Je sais pas non plus s'il y a du garde. Ok, je vais gentiment vers la petite tablette, excusez-moi. Notre père à tous, Zeus, lui qui brandit l'égide et frappe de frayeur le cœur des impies. Lui qui peut transformer une brise en tempête sur l'ordre le plus glorieux, du plus glorieux des immortels, le ciel envoie la foudre. Lui qui porte de nombreux noms, véritable souverain de la nature et auteur de tous les dons. Père de tous, puissant Zeus, nous t'honorons par le okay. Un truc caché derrière pour moi. Ok, Zeus. Je vais aller voir peut-être dans les petites baraques autour. Je sais pas si ce serait ouvert, là il y a du garde. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc au-dessus?
Je vais aller se jeter, hein. Ah, nouvelle quête. Sauter depuis le temple. Ok. Ok, ok, bah je vais sauter. Mais c'est vrai que c'est haut, machin, synchronisé. Ok, bah il y aura un point de synchronisation au même endroit, donc on va faire ça. Comme ça, c'est bon. Et là, on saute. On saute bien dans l'eau. Hein. Et parler à Ezio. Je n'avais jamais rien vu d'aussi exceptionnel. Et pourtant, j'en ai vu. J'ai vu un serpent avaler un chat. Un chat, tu dis? Et toi, qui es-tu? Ezioclès. Mais mes copains, ils m'appellent Ezio. Eh bien, Ezio, moi, c'est Bayek. Comment tu as fait ça? C'est de la magie? Est-ce que tu pourrais recommencer pour mes amis et pour moi? Je peux te parler de chez moi, si tu veux. Tu veux que je te parle de là où je vis? De l'incroyable ville de Cyrène? Comment refuser une offre aussi généreuse? Je te suis, Ezio. Ça va être un assassin, attendez plus tard. Attendez-moi, on va t'offrir la plus belle des visites. Tu as une bande? Oui, je suis l'enfant le plus important de Cyrène. Je vois ça, Ezio. Allons faire un tour au bain. C'est un endroit où les gens se promènent tout nus, s'enduisent avec des huiles parfumées et se font gratter la peau. Je déteste me mouiller les cheveux. Pas toi, Bayek? C'est pour ça que je me rase le crâne. Je parie que tu n'aimes pas non plus te nettoyer les oreilles. T'as raison. C'est un Romain de la citadelle qui les a fait construire. Vitru... Je sais plus quoi. Il a payé 10 000 drachmes pour avoir un sol entièrement fait de petits carrés. Tout ça pour un endroit où on vient se laver. Quand je serai grand, je choisirai une femme qui voudra jamais que je me lave. Ce genre d'épouse est difficile à trouver, Ezio. Sauter depuis le toit des thermes romains. Ok, c'est parti, faut que je m'amuse à sauter pour lui. Ça va lui donner le goût de sauter de partout. Et après, il va devenir un superbe assassin. Nickel. On est en train de former Ezio. Tu sais, il y a des froussards qui ont cru que tu raterais le chariot. Moi, je n'ai jamais douté de toi. Je n'étais pas sûr de réussir, Ezio. Ouais, sauf que où on va maintenant cassé, mais... Tu es égyptien, non? Mon père m'a dit que vous ne vénérez pas le même dieu que nous, les Grecs. Nous en avons certains en commun. Comme Sarapis. Ah oui, Sarapis. J'en ai entendu parler. Mon préféré, c'est Apollon, et lui, c'est un Grec. Il aime la poésie, la musique, le vin et plein d'autres choses. Ouais, Bayek, on n'a pas fini la visite. Bayek, t'es revenu! T'es prêt pour ton prochain saut? Mais si je l'aime, c'est surtout parce qu'il a un arc et qu'il aime chasser. Et toi, Bayek, tu aimes chasser? C'est vous, là. Oui, Ezio. Je chassais avec mon fils. Si tu sautes du haut de son temple là-bas, peut-être que depuis le mont Olympe, il te verra. Et il me donnera en récompense un arc et des flèches pour aller chasser les lapins dans les bois. J'adorerais voir ça. On y est. Alors, j'ai jamais vu ça! C'est incroyable, pas vrai? Il vole dans les airs comme un aigle. Ok, j'ai compris. On va aller se percher là-haut. T'as une fontaine pour moi, ouais. On te regarde tous. Je veux pas voir ça. Dis-moi quand c'est fini. Quel courage. Vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi courageux? Il faudrait pas que je me loupe. Non! Vous avez vu? C'est moi qui l'ai trouvé. Putain, la honte. Quelle glorieuse journée. Ouais, tu m'étonnes, elle est glorieuse ta journée là. Ouais, pire c'est qu'avant j'aurais dû me taire. Avant je dis il faut pas que je me loupe. Je me suis pas bien calé devant la statue. Cet abruti saute à côté quoi. Aïe aïe aïe. C'est pas possible. Ah ouais, je me suis pété comme une grosse bouse. Ah, ils vont me remettre les oiseaux là. Voilà, comme ça c'est genre je perds l'équilibre, après j'ai peur, vas-y je saute direct.
Enfin, surtout que là, piquer directement Apollon comme ça, vu la, le peu de profondeur, t'as une chance sur deux de te taper le fond de la piscine ou du bassin. Rien n'est impossible pour notre ami Bayek. Voilà, je parle en connaissance de cause. Passons maintenant au suivant. J'ai un dernier saut à te proposer, Bayek. Tu es prêt à relever le plus grand des défis? Ça dépend. Hein. Tu crois que je peux y arriver? Je crois que rien ne peut te résister, Bayek. Je suis content de faire partie de la bande des Zio. C'est une chance incroyable. Quand ma sœur apprendra tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, avant, elle jouait tout le temps avec moi. Eh bien, tu n'avais pas menti en parlant d'un défi. À part les Romains, personne n'a le droit d'aller là-haut. Mais tu n'es pas du genre à te laisser arrêter par quelques minables en tunique. Tu es prêt, Bayek? Voici l'Acropole. Les gardes sont très vigilants par ici. Ouais, y'a pas de soucis. Non, je veux monter en haut, là. Allez. Ouais, si ça t'enchante. Bon, là, y'a rien. Arrêtez un peu. Laissez-le. C'est pas votre esclave. C'est un homme important. Qui a des choses importantes à faire. Au revoir, Bayek. Reviens quand je serai grande et on se mariera. Si on s'entraînait, tu crois qu'on pourrait sauter comme lui? Faites pas pareil, s'il vous plaît. Je n'oublierai jamais ce jour, Bayek. Il faut le saluer. Je t'accorde le titre officiel de criquet de sirène. C'est un grand honneur. Au revoir, Ezio. Ne fais pas de bêtises. Je ne promets rien, mais pour toi, je vais essayer, grand criquet. J'espère qu'un jour, tu pourras chasser avec ton fils. Moi aussi, Ezio. Lexon, Criquet, j'ai parlé de toi à ma sœur. Et du coup, elle a oublié Dioclès. Regardez tous, c'est le criquet de sirène. Ok. Et bah après toutes ces petites émotions, je pense qu'on peut partir. On a fait tout ce qu'il y avait à faire dans le coin. Donc bah écoutez, c'est parti. On va aller sur la map. Car c'est ici que nous devons nous rendre. Et c'est à la vallée des rois qui nous attend. Donc petit. Parce que ça c'est fait, on a tout fait. Avec l'ordre qui voit tout, ce qu'on ne voit pas, voilà. Et donc là, 0% contenu supplémentaire, et ben c'est parti. Attendez, là je suis à combien? Il va pas mettre le pourcentage là? À la limite, j'aurais pas fait la zone déplacement rapide. Ah ouais, c'est abusé, ils me mettent pas à combien de pourcentage je suis. Bah ça se trouve, j'ai tout fini. À part les pseudo-quêtes secondaires ou des lieux à découvrir pour choper les trésors et faire le platinium. Donc bah écoutez, on va se lancer, hein. Et j'ai une quête qui m'attend là-bas directement en plus. Excellent! Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!